Allez, c'est reparti. On va bousiller ces saletés d'enculés là qui m'emmerdent depuis tout à l'heure là. Voilà. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Ça, je peux pas. Putain, je suis vert quoi. Chaque fois, l'autre team pute. Putain, je sais pas où me placer en fait. Vous savez pourquoi on est là et pourquoi c'est important. Vous savez ce qui va arriver. Putain, jusqu'à ce que le camion explose, ça. Putain, après, j'ai du mal à assumer les deux vagues. C'est pour ça qu'on doit tenir. Face à ceux qui nous barrent la route. Allez, ouais. Qu'ils ont du gouvernement. Tout ça, c'est des conneries. Si on les arrête, on peut encore sauver cette ville et le reste du monde. Mais si on les laisse faire, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Et ça, c'est hors de question. Et ça, j'achète. Ah putain, je fous le trop, putain. Eh, ça m'a agacé, du coup, je fous le trop. Allez. Boum. Bon, alors lui. Non, mais sérieux, il y a un truc qui me tire de loin là. Merde. Je me fais déconcentrer là. Qui me tire de loin comme ça là, putain. Mais c'est l'autre là-bas là. D'où il me tire aussi loin lui. Allez, boum. Oh la vache. Allez, hop. Allez, hop, pose ça. Allez. Qui passe sur le côté, ta gueule. Allez, 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 monte pas. Voilà, absolument que j'évite qu'ils viennent me déborder dans mon territoire. À louper. Ah non, j'ai vu un truc là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bah alors? Ah, c'est lui qui me tirait dessus tout à l'heure. Détruire le réservoir. Jusqu'ici. Pas le restaurant. Il doit y avoir d'autres réservoirs de napalm dans l'immeuble. Trouvez-les, détruisez-les. Et vous pourrez aller vous occuper. La longue la mission. Mais bon, au moins, on a passé cette étape à la con là.
Avec l'autre qui me snipait là, le bâtard. C'est un peu naze leur écho là, mais bon ça fait de l'XP donc quand ça rapporte de l'XP on le fait. Détruire les réservoirs de napalm. J'ai entendu un mec qui a parlé. Donc déjà il y en a un là. Merde. Oh le boulet quoi. Oh putain c'était une bière en plus. Bien, bien, tu me mets dedans. Voilà. Et l'autre, je sais pas où il est. Il est là-haut. Il y en a un autre là-haut. Peut-être que je peux le toucher d'ici. Ils veulent pas. Voilà. Bon, écoutez-moi bien. Rejoindre la tour de garde. On se replie, vous me retrouvez tous à la tour et on les retient là-bas. Compris? C'est là-bas qu'on les attend et on va leur faire regretter de nous avoir cherchés. Ouais, vas-y, cours, salope. C'est quoi ce délire? Vous attendez quoi, bordel? Allez-y! Tout le monde, c'est
Faut-il en haut? Désolé, c'était les sangles du réservoir. Ça devrait être... Oh putain! Ok. Oh bâtard! C'est quoi cette mission de fou? C'est quoi ces ouf? Putain. Ouah putain les mecs, ça va tranquille quoi. Ok, les mecs sautent. Mais sérieux, mais faut arrêter de fumer les mecs. Oh putain, j'avais toute ma putain de life. Encore une petite seconde. Mais c'est quoi ce bordel quoi? Pourquoi c'est si long? Désolé, c'était les sangles du réservoir. Ça devrait être bon là. Ouais. Si c'est bon, il monte. Je vais l'attendre là. Bourriner sa gueule à cet enculé.
Pourquoi il est bloqué là-bas, ce connard? Il y en a un là-bas. Putain de merde. Putain. Allez, putain, cours là, ta mère la pute. Allez, un pote à lui qui va venir là. Je veux le recevoir bien comme il faut. Allez, on va le niquer cette fois, c'est la bonne. C'est où que ça m'a tiré là? Ah, mais y'a des mecs en bas, putain, t'es sérieux? Putain, ils vont monter. Plus de munitions. Oh vache. Putain. Putain, enfin. Attention, séquence de détonation. What? C'est quoi ça? 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 Allez, casse-toi. Et sérieusement, les gars, celle-là, je trouve que le boss, il a une de ses difficultés, mine de rien. Parce que je crois bien qu'avec son lance-flamme, limite, il nous one-shot, le gars. Franchement, en solo, assez chaud. Je pense qu'en équipe, tendue, mais un peu plus tranquille. C'était mauvais pour sa santé, toutes ces flammes. Mais là, la principale source de napalm des nettoyeurs est détruite. Ils vont nous poser beaucoup moins de problèmes. Franchement, chaud. Pas mal de gens vous doivent la vie, qu'ils le sachent ou pas. Bon travail. Ah ouais, là, franchement, je suis un peu sur le cul même. Oh non, on me dit pas qu'il y a des mecs directs là. Si. Bon, carte. Comme j'avais dit, on fait ça et après on va à la base.
va aller s'équiper un peu là. Je pense qu'on a assez de monnaie maintenant. Bah les amis, putain. Heureusement que vous mine avez de rien, c'était pas simple. On va publier une vidéo qu'on a trouvée et qui prouve leur culpabilité à lui et à toute sa clique. Quand je l'ai vu, ça m'a rendu malade. Oh putain, il y en a encore là. J'ai quoi là? Ouais, j'ai encore un peu de balles. Oh putain, ça me fait chier de les buter quoi. Attention, présence hostile à voilà. Ça, ça me fait un peu chier de les buter. Ça m'amuse, mais là j'aimerais juste rentrer voir les nouveautés que j'ai débloquées en faisant l'émission. Chier les deux salopes. Hop, et lui. Allez, tout dans le zizi. Non, dans la tête. Hop là, allez. Attention, putain, puis y en a encore. J'ai même pas où ils sont, les gars. Oh, mais si, c'est les mêmes que tout à l'heure. Ouais, ils sont pas drôles. Trace d'agent. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est bien beau leur connerie là, et moi j'ai juste envie de rentrer à ma base. Ah, je m'en fous de ton ravitaillement. J'ai assez bossé pour aujourd'hui. Oh putain. C'est quoi ça encore? Putain, je suis passé, ils m'ont pas vu. Cool. Heureuse de vous voir. Allez, 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 allez. C'est la première fois que ça me le fait, ça. Ah là là. Enfin chez nous. Donc comme ça, je vais pouvoir déverrouiller l'aile technologique. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est cool. Aile sécurité, ok. Elle sécurité. Je m'en fous de toi. Elle médicale. C'est en haut. Écho. What? Paul Rhodes. Écoutez, d'habitude je fais pas dans les violons, mais vous m'avez tiré d'un sacré merdier, alors merci. Vous attendez sûrement un peu plus qu'un remerciement pour avoir sauvé mes fesses. Ça vous plairait que je retape ce gourbi? Ah, ça répond aux normes gouvernementales. Ça fait toujours plaisir de voir qui continue à placer la barre aussi haut. Si tu veux de la qualité, fais appel au privé. Ça, je l'ai appris à Basra. Eh ouais, on peut pas vivre que sur du vent et des bonnes intentions, de l'électricité et de l'eau. Le menu extra large, quoi. Vous êtes pas le premier à essayer. Il y en a un tas, des types comme vous, qui ont foutu le camp quand ça sentait le roussi. J'ai fini par me faire ma petite théorie, d'ailleurs.
Bon, je vous la fais courte. Quand vous serez dehors à rebrancher la ville, essayez d'être malin, cherchez à en savoir plus. Le virus les a peut-être tués, ou bien ils se sont peut-être fait descendre. Peut-être même que la ville a ouvert grand la bouche et les a complètement avalés. Ça m'étonnerait pas. Ça s'est déjà produit. On est dans une ville pourrie qui a tué ma femme. C'est vraiment un miracle que je sois encore là. Il y en a qui disent qu'un pessimiste, c'est un idéaliste qui a enfin compris. Eh ben, ceux qui disent ça, c'est les trous du cul. Allez, allez-y, c'est à vous de trouver. Je vous dirai quoi rebrancher. Et essayez de pas vous faire bouffer, vous aussi. Ok. Pas grand chose dans son gourbi là. A plus. Putain, en fait, il y a vachement de trucs à mettre en ligne. Ah, elle technologique. Ouais, je sais, vous dites ça à chaque fois. Bah, bien pas sûr. Mal. Ce matériel devrait nous permettre d'améliorer la situation. Bon boulot. Nouveau bonus, le bonus il avait l'air intéressant. Bonus. Augmente l'inventaire de 10 emplacements. Plutôt cool. Et capacité, maintenant j'ai. À la tourelle, déploie une tourelle stationnaire qui tire sur les ennemis proches jusqu'à ce qu'elle soit détruite ou que sa batterie soit épuisée. Pour l'instant, c'est verrouillé. Pff, on s'en fout. Inventaire. Ah. Enfin un sniper. Donc ça va finir direct ici. Voilà. Du coup j'ai ça. Chargeur libération rapide. Enfin. Donc ça, moi je te le dis, ça va être direct. Chargeur. Rechargement rapide. Porte optimale. Bon, on s'en fout. Et donc, du coup, sur celle-là. Qu'est-ce que j'ai de beau? Qu'est-ce que je peux mettre de beau? Ça, j'ai rien. Lunettes. Porte optimale. Allez. Pas très intéressant de la porter en plus sur un sniper, mais fait toujours son petit effet. Tac. Merde. Je clique trop vite. Non, il y en avait qu'un, là il y en a deux. Hop, ça c'est pas intéressant. Bah écoute, ça me paraît bien. Ah, pas trop tôt. Cette salle des commandes va nous permettre de surveiller le chauffage, l'eau, l'électricité, etc. Bien joué, agent. Nouvelle vidéo. Thank you.
à l'ancienne. Ils sont morts, les gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, c'est n'importe quoi. Tu te fais passer pour un héros, là. Toi, t'es mon acolyte. C'est une super histoire. Putain, les histoires, toi. Alors... dans le sauvetage, la reconnaissance, la mission de combat, récompense de compétences, mode bouclier anti-émeute, mode bouclier anti-émeute, mode bouclier de ravitaillement. Stand de tir. C'est intéressant, ça. Unity... cynophile. Soutien cynophile pour retrouver et sauver civils, dépôt militaire et largage humanitaire. Armurerie, ça c'est important, ça. Parfait. Toujours avoir des gros flingues. Enfin pouvoir sécuriser le périmètre comme il faut. Merci. Ouais, pas de soucis. Du coup, on va aller voir celui-là. Amélioration disponible. 260, à mon avis, il va pas y avoir grand-chose. Décontamination personnelle pour les agents sur le terrain. Pharmacie, stockage de produits pharmaceutiques gérés par un pharmacien. Ouais, ça plus intéressant. Tac, nouveau talent. Génial, une pharmacie. On va pouvoir stocker et contrôler nos réserves de médicaments. De toute façon, là, je crois que j'ai tout claqué. Chauffage permanent pour la base d'opération. Je pense pas que ça soit... important. Communication satellite avec le monde extérieur permet à la base de recevoir des données du monde entier. Peut-être un peu plus intéressant. Station de travail pour améliorer le matériel et les technologies trouvées par les agents du terrain. Les batteries et les autres appareils électroniques civils peuvent être rechargés ici. Station de travail pour améliorer le matériel et les technologies trouvées par les agents sur le terrain. Talent manœuvre d'évitement. Je pense que c'est ça le plus intéressant, quoi. Pas mal. Ce matériel devrait nous permettre d'améliorer la situation. Bon boulot. Service d'urgence. En raison de l'aggravation du risque d'infection... On va louper ça. Le plus beau catalogue de tout New York. Allez, on rend tout ça. Voilà. Bonne chance. Merci. Qu'est-ce qu'ils vendent là ? Mode performance transformé. Santé de la mine téléguidée. Ouais. Viseur réflexe, portée optimale. Portée optimale précision. Probabilité de tir critique, cadence de tir, précision, précision de tir à la hanche. J'hésite à mettre la petite ACOG sur le sniper. 5% de portée plus 5% de précision, c'est quand même vraiment... Ah, c'est pas dégueulasse, hein. Allez, on va prendre ça. Ouais, on va prendre ça pour le snipe. Reviens quand tu veux, surtout. Ouais, ça marche.
gueule. Donc ça c'est bon. Et ouais, l'arme de poing, j'aimerais bien la changer. S'il a quelque chose de bien, lui. Niveau 10. Waouh, franchement. Le flingue, je l'utilise pas tant que ça. D'ici là, je pense que j'aurais fait un petit peu de Dark Zone si vraiment. Quand ça va commencer à chier un peu, je vais aller dans la Dark Zone, donc j'aurai ce qu'il faut. Je sais que pendant la bêta, je m'étais full équipé violet là-dessus. Je pense que là, ça va être la même chose. Voilà, tac. Et ben voilà, on a fait quand même pas mal de choses là. Hein. Franchement, on n'a pas chômé. On a eu une bonne mission bien difficile sur cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça parce que c'est vraiment kiffant. Moi je m'agace un peu, mais en même temps, qui c'est qui se fait pas, qui c'est qui ne s'agace pas quand il se fait démolir la gueule 3 fois de suite. Mais c'est ça qui motive à bien les bouillaves après. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.